brida ba ba da da Bon, salut à tous. Donc voilà quoi, la suite. Donc ça y est, le son 2, on s'y attelle. Bon là, j'ai commencé à démonter 2-3 trucs là, et puis je suis en train d'observer un petit peu les montages. Donc on voit les différents crochets qui sont pris directement sur le garde-boue arrière. Là pareil. Alors, des fois, si quelqu'un veut rénover, alors, je vais essayer d'allumer un peu, parce que là on voit plus rien. Tac. Donc ça sera un petit peu mieux. Donc voilà quoi, on voit comment c'est monté quoi. Hein, pour ceux qui rénoveraient une fois un petit 102 SP, savoir où ça va, là pareil quoi, il y a un système, c'est marrant comment c'est fait. Hein, pour accrocher les carters latéraux, hein, son petit plateau, suspensions qui sont bien malades. Donc je sais pas si j'essaye de démonter, je change que le ressort et je repeins le reste, ce qui serait mieux je pense. Donc à voir. Dessus, bah, toujours à la recherche de cette fameuse plaque. Ah, si un jour quelqu'un a ça. Parce que c'est spécifique 102 quoi. Hein, j'avais déjà dû en parler en plus de ça. Ici ça revient comme ça. Là, donc comme je ne l'ai pas eu complète, je ne sais pas trop la forme en fait. J'ai vu sur des vidéos, des photos, mais. Voilà, donc le fameux réservoir que bon bah, on va tout repenser. Les stickers, je ne sais pas quoi faire. Quand on voit comme ça. Ils sont assez propres et d'époque. Bon, après, il y a des petits trucs là. Alors, est-ce que je m'amuse? Ouais, encore. Je sais pas. Peut-être que je vais les changer. Hein, me connaissant, ici, bah, je vois que c'est enfoncé. Donc, hein, je pense pas que c'est d'origine. Parce que ce qui est marrant, c'est que c'est des deux côtés. Donc, c'est tellement bien fait le pliage qu'en fait, on a l'impression que c'est d'origine. Mais bon, je pense pas, quoi. Donc, voilà, son fameux feu avant. Bon, il n'est pas d'origine. Donc, celui-là, je vais le dégager. Et de toute façon, on voit qu'il est trop large par rapport à la fourche. Toutes les pattes sont pliées. En fait, on voit que ça a été. Donc, ouais, j'avais commandé un, quoi, sur un certain site. Et puis, en fait, ouais, le feu, pouf. Ah, bah, il était pas cher, hein. Mais alors, pouf. Non, je monte pas ça, quoi. Donc, on va essayer de voir. Hein. Donc, bah, moi, j'ai un petit feu hier. Hier. J'ai un petit feu là-bas de GT10. Alors, est-ce que c'était les mêmes formes, hein, noir aussi à l'arrière. À voir. Hein, à restaurer, à remettre en état, je verrai bien. Des petites bosses ici. Bon, c'est pareil, hein, je vais pas, hein, je vais redresser un peu et on va essayer d'y aller tranquille. J'en ai un à l'arrière aussi. Voilà. Donc après, bon, elle sera pas neuve, hein, ça va être la petite mobilette hein, de vacances, de petites balades tranquilles, voilà, sans bruit, sans rien, sans les gros moteurs qui hurlent. Ok, bah pareil, les filtres anti-poussière, je les ai, donc j'en avais parlé la dernière fois. Donc voilà, quoi, c'était pour vous dire un petit peu où j'en étais. Je fais le démontage, quoi, et puis. Ben voilà. Et sinon, après, là, peut-être une bonne nouvelle, quoi, c'est que j'ai peut-être trouvé mon 105. Donc, je suis tombé sur une vidéo, en fait, sur YouTube, quoi. Donc, c'est Zone Austral. Et franchement, il est tombé sur un immobilette vraiment intéressant. Donc, allez voir, parce que en plus, il a des très belles pièces. Et il avait une 105 dedans, donc j'ai réussi à le contacter. On s'est téléphoné, et puis... Bon, il est partant pour me la vendre, donc c'est super cool. Bon, maintenant, c'est vrai que moi, j'ai investi pas mal avec la petite mémère là-bas. Mais bon, après, voilà, quoi, on va remettre un petit peu de sous de côté. Et puis, il n'est pas dans l'urgence pour la vendre. Donc, bah oui, je souhaite énormément qu'il me la garde. Parce que, non, franchement, c'est le dernier modèle. C'est la, voilà, quoi, la boucle est bouclée. C'est, voilà, 101, 102, 103, 104 et 105. Et voilà, quoi, après, j'arrête. Normalement, j'arrête. Oui, chérie, j'arrête. Non mais après j'en ai pas mal déjà et puis il faut les entretenir, faut les faire rouler. Donc si c'est pour rénover des mobilettes et puis que je puisse pas bah, les entretenir, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que le TSM je l'avais pas gardé. Bon bah c'est tout quoi. Donc ouais, j'ai hâte d'aller chercher ça, d'aller voir ça. Et puis franchement j'ai l'impression que c'est une belle personne, donc je me méfie de ce que je dis maintenant, parce que bah comme j'avais dit une fois, j'avais été avec un youtubeur et puis ça s'était pas très bien passé parce que.
j'aime pas qu'on humilie les gens et j'aime pas qu'on les rabaisse. Donc voilà, je suis pas une star de la mécanique. Je connais mes 103, je sais comment ça se règle, je sais comment ça fonctionne. Il y a toujours meilleur et il y a pire. Donc voilà, quoi. Voilà, et j'aime pas les gens qui jugent et qui vous rabaissent, quoi. Donc ouais, non, voilà, quoi. J'ai eu assez de galères dans ma vie pour savoir que voilà, le respect de l'autre, quoi. Sinon, bah voilà, quoi. Sinon, bah rien d'autre. Que j'ai hâte de voir cette petite 102 restaurée et puis faire des petites balades avec ma petite VS hein, à deux comme ça, quoi. Et puis voilà, quoi. Bon bah Kenavo, puis bah à plus. Ciao. Bon, en fait, une petite partie complémentaire. Bon bah ça y est, elle est démontée. Bon, j'ai galéré avec pas mal de trucs parce que la mobilette, elle était bien rouillée. Je crois qu'il est même presque plus que temps de s'en occuper. Je pense que j'aurai un traitement réservoir parce que j'ai vidé un peu toute l'essence que j'avais dedans, j'avais pas regardé, hein, et j'aurai sûrement un traitement réservoir. Ici, bon voilà quoi, les pièces, hein, de toute façon, pièces détachées. Bon, c'est marrant quoi, parce que c'est une partie vraiment vélo. Hein. Donc niveau peinture, oh, ça là, je vais peut-être la faire. Je voulais l'amener au jeune là-bas, mais ben, il faut que je m'entraîne, hein, il n'y a pas à dire. Donc comme il n'y a pas beaucoup de peinture dessus à faire et puis qu'il y a une bonne partie qui est cachée, je vais peut-être tenter le coup, hein, de repeindre celle-ci, sans avoir cette espèce de petit film de peau d'orange, quoi. Donc voilà. Dessus, grosse galère. Donc c'est juste pour expliquer un petit peu moi comment j'ai fait. Je ne sais pas comment font les autres. J'arrivais pas à enlever les écous d'ici, quoi. Chaque fois que j'essayais de dévisser, en fait, c'est le bas qui se barrait, quoi. Impossible de les desserrer, quoi. Les deux, hein. Donc vraiment pas de bol. La solution que j'ai trouvée, en fait, c'est à force de tourner, ce que celui-ci tournait sur lui-même. Donc j'ai essayé de mettre une pince, de pincer ici, quoi, hein, pour le maintenir. Des fois quand on voit, c'est mieux. Voilà. Je la tenais ici et j'ai essayé de tourner là. Le problème, en fait, c'est que le système qui est à l'intérieur de la fourche, voilà, ça c'est le haut. Donc avec le fameux écrou, j'ai retiré une tige et le ressort. Et après, on repart avec une tige. Donc pour forcer sur le bout l'écrou du haut, c'était mort. Donc j'arrivais pas du tout à les dévisser. Donc la technique que j'ai fait moi, je savais pas trop comment. J'ai pris ma Dremel, donc avec une petite mèche, voilà, tungstène, là. Et je suis venu chercher en fait comme ça. Voilà. Et en fait j'ai été gratté sans toucher le filetage en fait, juste pour l'affaiblir en fait. Voilà. Après vu qu'ici il y avait la rondelle derrière là, bah en fait j'essayais de rentrer dedans un peu comme ça en biais, pour aller chercher un peu le fond. Et ici, je suis descendu complètement comme ça. Après. Parce qu'en fait, dessus, il y a la fameuse. Voilà, ça fait comme une capsule, si je peux dire. Voilà, et ça, c'est têtu. Hein? Donc, ça fait qu'après, avec un tout petit burin comme ça, je me suis mis sur le côté ici, là. Un peu en biais aussi, pareil. Un coup de marteau sur le dessus, clac, et j'ai fait sauter déjà la petite capsule dessus, du dessus, hein. 1, 2, 3. Et puis après, je me suis remis sur le côté comme ça, et je lui ai mis un petit coup de marteau. Tac, juste un choc. Et après, bah, j'ai repris ma pince, j'ai rebloqué la tige là-bas, pour donner quand même un peu de tenue. Une clé de 13, paf, il s'est défait direct. Bon, les écrous sont morts. De toute façon, je les aurais changés parce qu'ils étaient tout rouillés. Mais si ça peut aider quelqu'un, parce que franchement, je me creusais la tête hier, j'ai arrêté là-dessus. Et puis voilà quoi. Donc autrement je pouvais plus retirer ma platine quoi. Hein? Donc voilà. Donc maintenant bah, j'ai pu retirer mes écrous et puis retirer ma fourche après la platine du dessus quoi. Donc bah, vu qu'après une fois qu'on a dévissé ça, après vous pouvez prendre la tige qui est ici, qui arrive dessus et j'ai tout sorti. Je vais pas m'embêter, je vais tout sortir, je vais toute la dégraisser, hein? Enlever tout ce qu'il y a dessus, et refoutre une graisse propre. Je vais reprendre une cartouche là, et puis on va tout regraisser propre. Comme ça, en même temps, j'en profite pour dérouiller tout ça. Donc voilà. Donc c'est une astuce que moi j'ai trouvée. Après, la fourche, c'est vrai qu'elle est bien abîmée. Je vais pas la changer. C'est des fourreaux un petit peu spécifiques, je pense. Donc je sais pas quel modèle irait dessus. Et puis voilà. En fait, ce que je vais faire, je vais un peu tricher. C'est je vais bien les prendre, bien les polir. Et puis cette partie-là, en fait, je vais les retourner. Je vais les mettre de l'autre côté pour avoir le côté chrome derrière, quoi, qui est plus propre. Donc voilà, voilà qui est plus propre. Donc comme c'est juste des traces superficielles de côté de rouille. Hein. Bon après ça va pas être voilà une sortie de magasin quoi. Donc
Mais bon, voilà, petite astuce, si ça peut vous dépanner, allez, qu'en avant.